les gars. Shout out to Woo Spartan. Il m'a donné un full loadout de trucs pour aller PvP. Ça fait super plaisir, ça, je vais pouvoir aller PvP. Contre lui. Voilà. Bisous. Ok, je sais que je vais sentir weird là. Qui sait, mais asti, mes cheveux ils sentent la prune. Genre, ma mère elle a acheté un shampoing aux prunes. Tu savais? Oh my god. Ok, les gars, on se retrouve. Je vais couper son montage. 3, 2, 1. Baby Box. C'est vrai, c'est pas grand-chose qu'on commence. Alors, t'en penses quoi? 3, 2, 1. Les gars, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau don de BD Box. Il m'a donné full P4, U3, un peu de Zarco. Il m'a donné 4 blocs de Zarconia. Ça, ça fait super plaisir. Je vais recommencer. J'ai mal à la gorge, man. Il y a pas de l'eau ici qui traîne. Ok. Ok, 3, 2, 1. Yo, what's up, Jean-Internet? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de QC Rocks. Aujourd'hui, les amis, on est sur Everfight. On est accompagné de aussi BD Box, qui est pas sur TeamSpeak. Mais il m'a fait vraiment un don énorme, les amis. Il m'a donné petit P4, U3. Il m'a donné plein de stuff. Il m'a donné 4 blocs de Zarconia et surtout 2 spawners. Un spawner à Spider et un à Vache. Des banane sheets, des punch sheets. Des clés commu. C'est quoi ça? Komuki. Used to open Komuki. Ouh, peut-être, t'as raison. Hein. Attends, on va se mettre les niveaux. Puis on va aller voir. Attends, je vais demander quand même. Allez voir sa chaîne YouTube. C'est son pseudo, sa chaîne YouTube, les gars. Allez voir. C'est quoi la Komuki? Il doit sûrement avoir une boîte au spawn, les gars, on va aller voir ça. Ça fait longtemps que je me suis pas connecté depuis, ben, depuis la dernière épisode de 1 heure, qui date de genre 2 semaines, lol. No fake, les gars, mais bon. Attendez, c'est quoi la communiquée? C'est meilleur que les clés KOTH et les autres. What? Ah, c'est marqué commu. Caisse en rubis. On peut-tu voir? What? On en a une gratuite? J'imagine que oui. OK! J'ai eu un gâteau dans la meilleure clé, esti! T'es sérieux, là? C'est au pire un gâteau. Ah, c'est bon, des gâteaux. Oh non, j'ai l'inventaire full. Ok, pourquoi il y a des gens qui ont fucking de bonnes affaires, puis moi, je tombe sur de la merde, dans ça? Ça, j'ai pas besoin, les gars. Ok, let's go. Du Averium. Je sais qu'il y a du Averium là-dedans. Ok, bien sûr, on aura un esti de fucking bateau. Donc, il y a quoi sinon comme truc? On peut-tu voir dans le... Il y a pas de façon qu'on puisse genre... Case preview has been disabled. Ok, genre... Oh, on peut pas voir qu'est-ce qu'on peut gagner dans les caisses sur ce serveur-là. Ah, c'est dommage. Bref, message BD, comment on les a? Parce que j'aimerais ça en avoir d'autres, en fait. Case to pass, c'est celle-là. The fuck, c'est bizarre quand même, hein. J'aimerais ça les avoir. Bref, je vous reprends. Peut-être qu'on va pouvoir... attendez, on a des blocs, on va aller vendre les minerais. On va vendre les minerais parce qu'on n'a pas besoin à part le Zarco, comme je l'ai dit juste avant. On n'a pas besoin au event ou au give all. Ok. J'en ai pas eu, moi, personnellement. J'étais pas connecté lors du dernier give all qu'il y a eu. Donc ça, c'est acheter. Là-bas, c'est vendre. Soit crut, je suis un gros fameux alors, ta petite pub, t'es d'accord? Bah, bien sûr, je t'ai fait déjà de la pub, donc, petit garçon. En fait, il m'avait dit, je te fais un don. Puis là, j'ai fait, ok, ben attends, il faut que je fasse quelque chose. Puis là, genre, j'ai été faire quelque chose, comme je l'ai dit, j'ai été me laver, quoi. Et puis, quand je suis revenu, il m'a dit, genre, tu veux me faire de la pub et tout? J'ai fait, ouais, ça dépend, donne-moi ta chaîne YouTube. Là, j'ai été voir sa chaîne YouTube. Puis, c'était quand même bien, il y a genre 200 abonnés, je crois, un truc comme ça. Fait que j'ai dit, ok, bon, je vais te faire un petit shout-out si tu fais un don. Parce que moi, je suis, vous savez, les gars, je suis un gros rapier, j'ai besoin de dons pour vivre. Donc, voilà. Donc, ok, super. On avait justement besoin de Zarco pour réparer notre stuff. Parce que, comme vous voyez, on a pas mal de stuff abîmé. Le spawner, à cow, puis tout ça. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec, en vrai. Je pense pas que j'en ai vraiment besoin pour être franc avec vous, les gars. Mais on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Sur ça, je vous reprends pour une autre séquence un peu plus tard. Et rep, les gars. Donc, il y avait une clé, commu clé dans le HDV. Puis j'avais 20 000. Fait que là, je l'ai acheté. On va aller l'ouvrir au spawn. Après ça, je vais faire un petit boss tour de notre base. Puis je pense que ça va aller faire un PvP peut-être après. Sûrement trouver quelqu'un qui veut faire un PvP. Donc, commençons par ouvrir la caisse. J'espère qu'on peut avoir un Averium. Je pense que c'est super difficile à avoir, mais ça serait tellement bien d'en avoir un.
et on va avoir un nasty de gâteau de marde. J'ai payé 25 000 pour un gâteau, les gars. 25 000 pour un gâteau. Ok, je vous jure, les gars. S'il y en a un d'entre vous qui ont des commu clés, comme ils appellent, là. Puis, si vous me les donnez, les gars, je vais toutes les ouvrir. Je vais les garder. Je vais faire un big unboxing en espérant avoir du Avarium. Parce que je me demandais au début pourquoi il y avait du Avarium dans le shop. Vous allez voir ici, genre, il y a du Avarium, voilà. Puis là, je me suis dit, Chris, c'est super OP l'Avarium. Genre, comment ils font pour l'avoir? Puis là, ben, il y a quelqu'un qui m'a dit, ah, c'est à cause qu'il y a eu un give-all. Puis là, j'ai dit, what? Ok, sérieux? Puis là, c'est cool. Puis là, j'ai dit, ah, ben, comment on fait pour l'avoir dans le give-all? Ils disent, ah, ben, c'est dans la commu clé. Je pense que c'est dans la commu clé, à moi qui m'ai menti. Puis gardez, what the fuck? Il y a plein de gens qui vendent du Zarco aussi, je sais pas trop. 28 000, ça vaut super cher, ça. Ah, ça fait chier parce que... Oh, shit! Un épée en Avarium, 215 000. What? Exipizi. Ton épée en Avarium, tu me la donnes. Lol, tu reveux des clés. Oui! Ok, pardon, j'ai fait un peu le gamin quand même, là. Bon, je vais réparer mon armure après. Je vais vous présenter un peu la base. Donc, premièrement, on a notre point d'enchantement ici. Ensuite, on a nos spawners golems. Donc, on en a énormément. Je vais vous amener à l'intérieur. Oh, pas là. Ça, ça va là. Donc, on en a 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 spawners golems environ. Environ une douzaine de spawners golems. On a ici, sur le côté, on a... ici, on a 3 spawners à Pig Zombie et 3 autres spawners à Pig Zombie. Donc, on a 6 spawners à Pig Zombie au total. On a... Attends, je vais me taper de tout après. Ensuite, ici, on a notre champ de carottes. On a 2 spawners à squeletton. 1 spawner à squeletton, 2 à zombie ici. Donc, voilà. Ensuite, on a... Oh, pareil. Dans le fond, ici, on a un spawner à vache. Voilà. Spawner à vache, normal. Ensuite, ben, c'est pas mal ça. Enfin, on fait juste cultiver les carottes, etc. Parce que c'est une façon d'avoir de l'argent facilement. Sinon, on n'a pas vraiment beaucoup de stuff. Enfin, je pense pas qu'on soit la plus riche des factions. On n'est pas super riche, mais au moins on fait de notre mieux, quoi. Et là, on va se taper au gars parce que je veux vraiment les clés. Donc, ouais, il y a beaucoup de gens qui voulaient voir notre base. Donc, je me suis dit, ok, pourquoi pas. C'est DB en fait. J'arrête pas de mettre un. C'est quoi le Avarium meilleur mille? Ouais. T'inquiète, non, t'inquiète, j'ai déjà fait ta dédie, copain. Ok, en espérant qu'il nous en donne genre 1 million. Je pense pas qu'il va le faire, mais bon, on sait jamais. Mais Ali, STP, tu vas essayer de me tuer. F-Trousse, BD, CDB. Comment désactiver pour raison de crash, c'est Ali là-dessus. Vas-y. En fait, je l'ai mis à aller juste parce que je voulais tes clés. Hein. Je voulais être franc avec toi. Il m'a donné 2 commis clés. Ouh, les gens d'internet. Ouh. Oh, je suis coincé ici. Non, c'est bon. Viens, ça vient du cœur. Merci, mon ami. Ça fait plaisir. J'espère que j'ai pas un cake. Parce que si j'ai un cake, je te dis tout de suite, je vais aller me suicider. J'aurais bien P4 en zirconium. Ça, c'est super bon. J'ai pas vu l'Avarium là-dedans, les gars. Je l'ai pas vu passer, genre, même pas une fois. C'est genre super rare ou quoi? Un esti de gâteau. Un esti! Ça fait combien, 3? Gros, j'en ai eu genre 5 millions de crises de gâteau de marde de calice. Pourquoi il a que du foutu gâteau? On peut pas avoir du Avarium dedans. Je vais lui demander, peut-être qu'on peut même pas l'avoir, peut-être que j'ai fait voir ces cas-là pour rien, puis j'ai dépensé 20 000 pour rien. Hein. Qui sait, mais bon, quand même un P4 pour 20 000, c'est quand même cher. Je vais pas vous le cacher, mais bon. On va, c'est pas clé ma base si vous le saviez, les coordonnées c'est moins 1 million, moins 1 million. Donc voilà, venez mes pieds s'il vous plaît. Donc on va réparer nos P4 les gars, tout de suite, et puis je vous reprends après pour une séquence PVP fun et HD. À la base, j'étais en train de farmer mes carottes tranquille. Je vais pas parler fort parce que ma mère adore. J'étais en train de farmer mes carottes tranquille et il y a un petit hacker qui a banni tous les membres du staff en fait. Et là, j'essaie de lui demander qu'il me give des carottes. Donc, on va demander Théo. Donc, tu as hacké le serveur, si je comprends.
En gros, là, il dit qu'il y a slash slash copy spawn, etc. On va demander si c'est vrai. Théo, tape-toi à moi. Je veux voir si c'est vrai. Si c'était pas à moi, les gars, ça veut dire qu'il cheat vraiment. Oh! Ouais, mais! Ok, il cheat, les amis. C'est un hacker, les amis. Oh my god, les gars. Ouf, mes carottes sont là. Ouf, ouf, ouf. J'ai récupéré mes carottes, bien sûr, j'en ai internet. C'est ce qui est le plus important. J'allais justement faire une vidéo, dans le fond, pour vous expliquer comment se faire de l'argent super facilement. Mais là, c'est genre vite parti en couille. Oh, bah, j'ai pas cassé la bon truc. Super, mais c'est vite parti en couille. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais bon. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu en fait. On va essayer d'en savoir plus sur lui. Théo, les fondas t'ont fait quoi? Pourquoi tu fais ça? J'aimerais comprendre. Tu veux toujours pas me give des carottes? Moi, je prends pas ça au sérieux. Ben, pas que je prends pas ça au sérieux, les gars. C'est juste que, genre, je trouve ça triste, genre, parce que, genre, je sais pas, j'ai pas lu que la version se termine en même temps, mais genre, le gars, genre, il a pris le contrôle de je sais pas quoi. Gros, c'est un compte random, puis le gars, il est rendu qu'il est sur un compte d'un joueur random, puis il a la console ou je sais pas quoi, man. Mais ça part vraiment en couille. Donc, ok, là il balance des IP. Ok, fait que Repower Fight V5, j'ai l'impression. Shit, ça fait chier ça. Regardez, j'avais une belle base, j'avais des spawners, golems et tout, man. Je suis désolé pour l'air derrière, hein. Comme je vous dis, la nuit en fait, je vais vous expliquer quelque chose à propos de moi la nuit. Okay? Là il est genre 4h du matin. 4h30, la nuit normalement, il fait fucking froid pis tout. Puis là, genre, il fait fucking chaud parce qu'au Québec, on a un peu d'été, vous voyez. Bon, je pense pas qu'il fait aussi chaud que chez vous, mais. Ok, what the fuck. Le serveur a shutdown, j'imagine. Mais en gros, ouais, je mets un air pour qu'il fasse froid. Puis si je l'arrête dans le fond, ben, ça fait plus d'air, vous voyez. C'est le but d'un air. Hein? Et puis, qu'est-ce qui arrive dans ce cas-ci, c'est que. Attendez. Je vais essayer de me reconnecter. Ah, voilà. Ouais. Il s'est passé quoi? Donc, ouais, en gros, quand je l'arrête, ben, il fait froid, il fait super chaud, puis je serais pas capable de me rendormir après. Donc, c'est pour ça que je la laisse là, je suis vraiment désolé. Mais bon, en gros, je voulais vous montrer une technique comment se faire de l'argent super facilement. Donc, c'est très simple. Vous, allez, je vais juste laisser mon stuff ici. Puisque... le gars, il a dit qu'il allait cut le spawn, puis s'il cut vraiment le... Non, je pense qu'il hack le serveur, gros, il y a 11 joueurs, ça devrait pas laguer, là, come on. Lag? Ouais, ça l'a encore lagué. Je pense qu'il doit tenter de faire du World Edit ou quoi que ce soit, exactement ce que j'allais dire. J'allais dire qu'il faudrait qu'on aille au spawn, justement, acheter de l'émeraude, parce qu'on en a plus beaucoup, on en a seulement 6. Puis, si on veut faire la technique, en fait, vous avez des carottes, vous prenez votre propre champ de carottes, vous faites ça, vous le mettez dans le AH, à genre 20 carottes pour what the fuck, genre l'internet, je m'appelle Icon, on se retrouve aujourd'hui, ben, pour la même vidéo, en fait. Je sais pas trop qu'est-ce qui se passe, Alpha Fight est en train de se faire hack. J'étais en train de jouer, c'est pour ça que vous entendez l'air derrière. En fait, des fois, je joue le soir sans vraiment... sans vraiment record, et puis là, il y a un genre de hacker, il s'appelle genre Théo quelque chose. Théo, t'es toujours là. Puis en gros, ouais, ça fait une coupe d'heures, j'avais déjà fait un petit rec avant, j'étais en train de vous... j'allais préparer un rec plutôt, j'avais préparé ce coffre-là avec une potion heal, etc. Parce que comme vous avez vu, Re-Théo, c'est lui le hacker. Donc en gros, j'ai mis une potion heal là pour farmer mon shot de carotte et tout. Parce qu'en fait, j'allais vous montrer une technique comment avoir de l'argent facilement. Donc c'était très simple en fait, c'est que vous achetez... je voulais quand même vous l'expliquer, mais je pense pas que ça va servir à grand-chose, parce que je pense que le serveur va fermer...
Oh, le serveur reboot. What the fuck? Le serveur se fait hack. Je sais pas trop qu'est-ce qui se passe, les gars. Je voulais juste fucking rec mon épisode. Puis là, ça part en couille, en tabarnak. So, qu'est-ce qui se passe là? Moi, je comprends plus rien, là. Il se passe quoi? Parce que moi, j'aimerais bien comprendre. Ok, il y a quelqu'un qui a stop la machine. Bon, ben, rip nous. Ça, ce qui paraît, c'est les informations du gars. Bon, c'est pas très mature de faire ça, je vais essayer de les brouiller au montage. Mais ouais, en gros, je sais pas trop qu'est-ce qui se passe. Oh my god, j'aimerais ça jouer, là. Okay. On va aller à la PVP box, on va faire un petit PVP. PVP box. What, y'a quelqu'un qui a cut la PVP box? Ok. Ouais, je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé avec la PVP box là, mais bon. Let's go, viens fight toi. Viens fight. Viens fight PVP box pour mon rec SVP. Allez-y, venez PVP, wesh! Ok, enfin il va venir PVP, les gars. On a juste eu 3. Ah ouais, ça fait quand même pas mal de dégâts en vrai. Ok, tu vas-tu prendre une demi-heure, mon tabarnak? Ok, merci. 360, no scope. Ok, cheat, c'est bon, decline! C'est pas vrai, je rigole, les gars. Je cheat pas, hein, bien sûr. Oh, est-ce que vous connaissez des bons packs de texture aussi pour ma série que je pourrais utiliser pour le reste de la série? Enfin, s'il y a bien sûr le reste de la série, comme je vous ai dit, je sais pas trop s'il va y avoir le reste de la série ou quoi que ce soit. Ok, je clique vraiment pas très rapidement aussi, vous avez pu sûrement le remarquer. Donnez-moi une chance, déjà que je suis pas bon de base, là en plus, qui est genre fucking tard le soir, donnez-moi une autre chance, hein. Attends, on va juste mettre ça là. Boum boum. Ok, c'est, en fait, c'est pas du vrai PVP. Si, ça fait pas de dégâts. On a quoi comme épée? Sharpness 2, ok. Je sais pas, man. C'est bizarre parce que. Genre, what the fuck. Ça me dit, you cannot use that here. Genre, tu peux pas faire du block hit. Ok, ouais, on peut pas faire du block hit en fait. Regarde, on peut pas cliquer droit. Pourquoi quand je clique droit sur toi, ça spam mon chat? Mon chat. C'est bizarre, hein? C'est bizarre. Raconte dans ton rec. What? Cache le chat. Ben là, c'est un petit peu trop tard, là. Ok, on va prendre ce kid, le guys. On va le drop. Il est super gentil, mais on va le drop quand même. Parce que, malheureusement, nous sommes, comme vous le savez, des pros du PVP. Oh non, je regardais pas mes cœurs. Ok, on a de la bouffe ici. Je regardais pas mes cœurs. Donc, let's go. Je suis désolé pour le bruit derrière, les gars. Ça va être vraiment tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Mais j'aurais vraiment voulu vous concocter un épisode. Puis comme je l'ai dit, ben, genre, je sais pas trop pourquoi le serveur se fait hack, là. J'ai pas trop compris. J'ai essayé de vous donner plus de détails dans les commentaires ou la description. Même si vous, vous en savez plus sur le hack qu'il y a eu. Aujourd'hui, on est le 20. Oh, mes cœurs. Je regardais pas mes cœurs encore. Tu rec? Oui. Comme, on peut, comme ça, les gens pourront témoigner de ma grande puissance au PVP. Fun, Minecraft et HD, bien sûr. Je fais des 360 quand je te touche parce que je suis trop bon. Ça veut dire que j'ai mis plus de coups plus. Ça veut dire que j'ai mis beaucoup plus de coups. T'es sérieux à me voler mon kill? PD. Et lui, je le prends. Lui, je le défonce. Ça veut dire que j'ai mis crissement plus de coups, l'autre, hein. No fake, là. Oh, what the fuck?
On se met à deux contre lui. Bref, les gars, ça va être tout pour l'épisode d'aujourd'hui. C'est l'épisode, je sais que c'est un épisode un peu plus court, mais si ça vous a fait plaisir, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu. Ça me ferait super plaisir. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, je l'espère, sur Overfight. C'est Tycoon. Ciao. Ouais, les gars, on se retrouve genre quelques jours plus tard. Après toutes les histoires de hack, etc., finalement, les admins ont réussi à, comme je vous ai dit, tout corriger la situation, etc. Ne vous inquiétez pas, mais hey, c'était quand même assez spécial. Genre, c'était la première fois que je voyais un hack de serveur en live. C'était assez spécial. Skinez m'a dit, je sais pas si c'est encore d'actualité, mais quand ça s'est passé, il m'a dit carrément que c'était en fait quelqu'un qui a développé un genre de launcher pour se connecter sur les comptes des administrateurs. Je sais pas si c'était vraiment ça. Je connais rien au hack, etc. Moi, vous savez, moi, je suis bon à faire des vidéos et c'est pas mal tout. Donc, ouais, on va vraiment y aller sur ce que moi, je voulais vous montrer dans le fond quand j'ai fait cette vidéo-là. À la base, je voulais vous montrer comment vous faire un peu d'argent facilement. Et je voulais aussi vous dire que iFaction est sorti. Je sais que vous allez me dire, ouais, c'est stupide, il y a iFaction qui est sorti, etc. Mais je sais que j'ai une communauté énorme qui a pas de compte premium. Donc, si vous avez pas de compte premium puis vous écoutez mes vidéos, si vous cherchez vraiment un bon serveur sur Launcher, je vous conseille Overfight. Et sincèrement, en ce moment, là, je dirais un des meilleurs, dans mon top 3 des meilleurs Launchers. Puis franchement, j'ai un plaisir fou à jouer sur Overfight. Avec Malfox puis d'autres membres du staff, là, puis mes amis personnels et tout, on passe des heures et des heures sur Overfight quand on joue. Là, c'est sûr qu'on a un peu moins joué dernièrement parce que, comme vous avez pu remarquer, on était assez occupé avec un petit quelque chose, mais voilà quoi. On va acheter, ok, j'ai juste de la place pour 1000, donc on va en prendre 1722. On va juste s'acheter dans le fond, voilà. Et là, vous voyez, on a acheté plein d'émeraudes, ok. Qu'est-ce qu'on va faire avec l'émeraude? C'est qu'on va faire des carottes en émeraude. So, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on met dans notre table de craft ou quoi que ce soit, peu importe ce que vous avez comme commande, je sais pas exactement les commandes qui sont disponibles sur le serveur. Donc vous faites ça comme ça, ok. Je sais pas si les prix ont changé, on va aller voir après. Mais vous savez que c'est les carottes en émeraude sur le serveur, c'est super OP, hein? On est d'accord. C'est un abonné qui m'a donné cette astuce-là, donc dédicace à toi, j'ai oublié ton pseudo, mais il m'avait donné l'actus dans une de mes au début de mes vidéos, quand j'ai commencé à jouer sur Overfight. Donc un gros merci à toi. Donc ensuite, on va... salut. Qu'est-ce qui est George de la jungle, il est ton ami. Ok, je sais pas qu'est-ce que les gens y ont comme problème ici. Assez étrange. Hop là, on va mettre celle-là, il en manque une là. Voilà, on va juste faire ça. Boom, on va en racheter genre, je sais pas moi, 1000. Ça devrait être bon. Si il nous en reste, on va les mettre à la base. Ouais, il va nous en rester. On va les mettre à la base, comme ça quand on aura d'autres carottes, on va pouvoir continuer. Puis ensuite, je vais vous montrer dans le fond quoi faire. Donc, let's go. On va juste garder toute cette émeraude là. Parce que c'est super pratique quand même l'émeraude. On va aller la mettre directement à la base. On va juste vite faire garder le AH. Donc, Turek. Oui. AH. Donc, une pour 1000, une pour 2000. Carotte, c'est 500 chacune. Ok. Averiam, combien? Un peu trop cher quand même. Ils sont où les carottes en émeraude? Y'en a pas? J'en vois pas les gars, vous c'est ce que vous envoyez? Non, y'en a pas. C'est ça qu'il faut, parce que regardez, les carottes en émeraude c'est le truc le plus... je dirais pas le plus difficile à avoir, mais c'est quand même ce que les gens préfèrent le plus. What the fuck? Il me drop une épée plus des gold, des carottes en émeraude je pense. À moins que ce soit l'autre qui les a récupérées. Ouais, c'est lui qui l'a récupéré. Merci big boy. Mais tu peux garder ton stuff gros hein. Mais non, 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 non. Garde ton stuff, garde ton stuff, garde ton stuff. Garde ton stuff, jeune homme. Je vais te... Tiens, garde ça. Puis je vais même te donner du Zarco. Tiens, on va donner le banane cheat. Puis on va te donner... C'est tout. Voilà, désolé d'avoir quasi tout à l'état. Non, t'inquiète, t'inquiète. C'était pas un don. J'étais pas là pour prendre des dons. Tiens, je vais même lui redonner son épée en topaz et ses bottes. Donc, le serveur a des petits bugs. Je sais pas pourquoi. Je sais que Skinez, il m'a dit qu'il essayait de faire le plus possible d'améliorer leur serveur. Ça fait super plaisir. Même si le serveur est ouvert depuis longtemps. Ouais, donc, on va aller à notre base. D'ailleurs, notre base qui n'est pas été encore pillée depuis le début de la version. Hein, c'est quand même insane ça. Sont où les coffres minerais? Ici. Ok. Boom, badaboom.
On mettait ça. Ensuite, ça va être un peu plus compliqué que vous peut-être pouvez l'imaginer. Là, on va juste faire des piliers de 21. Comme ça. Voilà. Voilà. Et, attendez, comme ça, voilà. Donc ensuite, on va faire des piliers de 20 ou de 10. C'est vous qui choisissez. Moi, j'aime ça faire des piliers de 10, parce que c'est quand même... Pas que c'est plus pratique, mais genre, vous pouvez les mettre moins cher. Puis les gens qui sont moins riches peuvent aussi quand même avoir une chance de les acheter. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Oh fuck, je pensais que ça venait de tout foirer notre plan. Quand ça les remet tout en stack, ça c'est pas le fun. Ok, attendez. Il faut juste que ça prenne la concentration, mes très chers amis de l'internet. Vous l'aurez compris. Voilà, comme ça il en reste 6 après pour nous. Fait qu'on va faire EC. 6. Et là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait AH Cell. On peut mettre à 2500 pour les 10. Puis chaque truc, ok, on va remonter ensuite. Qu'on veut voir qu'on est dépensé, on a dépensé 8000 plus. On a dépensé 8000 plus 13000, ok? Fait que ça fait un total de 21000 à peu près. Ok, fait qu'on a dépensé 21000. Et puis, on va voir combien que si on vend tout ça, combien qu'on peut en avoir, ok? Ce sera pas très long, on va faire le calcul. Si on vend tout. Ce qui risque d'arriver quand même assez fréquent. Comme je vous dis, les gens ont besoin de ça. C'est le truc qui se fait plus acheter dans le marché. Parce que c'est le meilleur truc pour PvP. C'est le meilleur item pour PvP sur Everfight. Fait que là, dans cette vidéo-là, je vous montre vraiment la meilleure astuce pour se faire de l'argent. Puis vous avez eu le petit hack de Everfight. Donc, deux trucs quand même assez stylés. J'espère juste que ça va pas crash sur ma gueule. Merci. Parce que j'en ai besoin de faire cette vidéo-là. Parce que j'ai pas de vidéo pour... vous savez, le week-end, normalement, je mets deux vidéos. Là, j'ai juste une vidéo vu que j'étais beaucoup, j'ai pas beaucoup travaillé sur mes vidéos. Je travaillais beaucoup sur mon serveur dernièrement. Donc, t'es un Chris que t'es un malade. Ouais, tu vois, les gens, ils sont genre, oh my god, mais là, tout le monde va faire ça. Fait que là, ça, c'est plus vraiment une bonne astuce pour se faire de l'argent, là, mais... Genre, ça en était une avant que je vous la dise. Parce qu'en fait, là, tout le monde va connaître l'astuce. Fait que tout le monde va le faire. Fait qu'on va faire... Ok, 24 fois 2500. Fait qu'en faisant 24, je vais aller sur mon téléphone, hein, les amis, je suis pas très bon en maths. Donc, on va faire 24 fois 2500. Ça nous donne un total de 60 000. Et nous, on a payé seulement 21 000, que j'ai dit, pour le faire. Donc, ça nous fait un profit. On fait moins 21 000. Ça nous fait un profit d'environ 40 000. Là, 39 000 exactement. Donc, le profit de 39 000, les amis, juste en faisant ça. Après, vous faites votre propre champ de carottes, ça vous coûte rien, ça vous coûte juste les émeraudes. Mais en plus, c'est le on fait plus de profit que ça parce que regardez toutes les émeraudes que j'ai en plus ici. Donc, on a fait un peu plus de profit, je dirais peut-être 42 000 de profit. Peut-être 42 000, 43 000 environ de profit. Donc, ça, c'est une façon de se faire de l'argent facilement. Donc, je vais continuer à farmer les carottes. Je vais rester AFK pour que les carottes y poussent, etc. On va refaire la même chose une dernière fois. Puis ensuite, ça va être tout pour la vidéo d'aujourd'hui en espérant qu'elle fasse plaisir. Je vous dis à tout de suite. Ok, yo les gars, il y a Bubble G qui lui a un petit don pour nous. Ça, il m'a dit de me TP à lui. Il avait un don. J'ai commencé à récolter des carottes, comme vous voyez. Donc, prêt. Oui, je suis prêt. Oh shit, what the fuck? Oh, what the fuck? Il m'a donné plein de bonnes affaires. Merci à toi, mon ami. J'ai un stack de carottes. Tu veux bien me le vendre? Je vous retrouve, les amis. Les gars, il veut 1$ contre le stack de carottes. Fait que j'ai payé 1$. On va se TP à lui. On va voir s'il va nous arnaquer. Il va vouloir. On a-t-il accès pour mettre le son? Non. En espérant qu'il veut pas nous arnaquer, quoi. J'ai quand même payé 1$, les amis. Ah, faut pas oublier, quoi. Le gars nous a vraiment donné les stacks de carottes, les gars. Il y a Gouldy qui veut prendre un screen, on va prendre un screen avec Gouldy. Et il y avait Boubou qui m'avait dit qu'il y avait encore un petit don. Donc on va prendre un screen avec la personne qui est dans le sol. Donc on appelle ça le Pokémon qui est dans la terre. Là, comment il s'appelle, G? Je sais pas. Tu le Pokémon là, qui est dans la tête, là. Ouais, je sais qu'il y a un petit fan. Plus tard, tu des fois, t'en as 3, là. Tu sais, c'est genre des estis de roche dans la terre. Ouais, l'évolution, c'est 3, là. Ouais, exactement. C'est quoi les estis? Ah, sacrément, j'ai une boule de cerveau, genre, j'y arrive pas à y penser. Bon, c'est pas grave, les amis. Non, les gars, genre, je sais que c'est bizarre les histoires que je vais vous raconter, mais il y a ce gars-là que je m'en TP à lui, genre, c'est un abonné qui avait des problèmes, etc. Je veux pas trop parler de qu'est-ce qu'il y avait, etc., mais il y avait des problèmes, puis, genre, il m'a dit que mes vidéos l'avaient aidé, etc., puis ça fait super plaisir. So, merci pour tes 60 niveaux, et aussi le rubis, la banane et la pomme. Les pommes, ça fait super plaisir. J'espère sincèrement, mon pote,
que ça va mieux dans ta vie. Donc, attends, je vais juste spam le chat pour pas que... Je vais essayer de le spam le chat pour pas que vous puissiez voir qu'est-ce qui est écrit. Donc on va spam les « Hey, sorry, sorry, sorry ». Voilà, on va faire « slash kit ». Slash kit ». Qu'est-ce qu'on pourrait lui donner comme kit empereur? Voilà, on va lui drop tout ça. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Et tac, tac. Et on va garder les niveaux pour nous parce qu'on n'est pas généreux. On va lui donner la Fortax et quelques carottes en or, tiens. En émeraude, on va lui en donner, j'étais. Voilà. Non, je peux pas prendre un si t'inquiète. Prends pour toi. C'est vrai, genre, ces genres d'histoires-là, les amis, ça me touche énormément parce que je veux dire, je suis pas une personne spéciale ou quoi que ce soit. Tout ce que je fais, c'est faire des vidéos en espérant vous faire rire. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Puis, j'espère sincèrement, les amis, que c'est le cas. Sur ce, je vous aime. C'était le petit moment de fragilité de la vidéo. A tout de suite. Non, mais moi, je veux de la dynamite. Ah non, ils ont mis de l'obsidienne. Faudrait. T'es un fou, mon gars. Ouais, arrête avec la dynamite, man. What the fuck? T'as combien de dynamite? J'en ai plein, t'inquiète pas. Faudrait péter ce bloc de cobblestone là, genre. Ouais, exactement, là. Ça va péter. Hey, je vais te donner un petit bug que t'auras plus besoin d'utiliser ta dynamite rendue dans une base. Vas-y, dis-moi ça. Tu cliques sur un enclume droit, puis ça va laisser ta dynamite dans ton ender. Ben, dans ta main, puis ça va la lancer en même temps. Ah ouais. Ça pis avec les tables d'enchant. Damn! Fait que genre, tu peux faire des... Ok, attends, t'en as-tu une dans ta base, une enclume? Tu dis que c'est pas claim ici, fait qu'on va genre faire tout, on va faire tout péter. Ah ouais, c'est pas claim ici, va chez l'enclume, on va faire ça, on va faire tout péter. Ouais. Non. Villager spawner, oui, ça vaut genre 26 000, genre. Je pense que c'est un fake, par exemple. Ah ben, peut-être, là. Ça expliquerait peut-être pourquoi c'est pas cher. Hein. Ça serait cave que ça soit pas un fake. Attends, septembre, raid, attends une seconde. Ouais, pas trop. Il veut te le vendre 12 000? Non, je l'ai acheté 12 000 dans le AH. Ah ben, c'est pas cher pour vrai, attends. Ça vaut genre 40 000, je pense. Villagers, ben, tu sais, il y en a à 25, genre d'habitude. Villager, non, blablabla. Pig. Skeleton. Ouais, ça vaut pas mal ça. Tu l'as payé bien moins cher qu'est-ce qu'il fallait. Ah, c'était pas un vrai villager, si c'est des villageois, c'est pas des golems, mais c'est Talis. C'était un PNJ dans le fond. Oh, ok, villager, golem. Ok. Oh, ah, c'est bien de la merde. Je me suis fait arnaquer. Tu l'as payé combien? 12 000. Ça vaut pareil, ça vaut genre 26 000, ça je te disais. C'est de ça que je parlais, moi. Je parlais pas des. Ah, oh, ok, je pensais que. Moi, je voulais des villager golems, mais c'est. Oh, my bad. Moi, je t'en fais un en don si tu veux. Non, t'inquiète, j'en ai plein, j'en ai genre vraiment beaucoup. J'ai juste. Je l'ai vu pas cher dans le market, je me suis dit. Bon, ben là, il y a des villageois qui vont mourir dans ma trappe. Hey, non, mais fais pas ça, mon gars, parce que j'ai vu un villageois là, dans une base, il y avait un livre P4, genre, puis il l'avait à l'infini. Non, je sais, mais en gros, genre, il est pas dans ma base, il est dans mon place pour les Iron Golem. Il meurt en même place que les Iron Golem, en fait, mais il meurt pas, eux autres, ils restent en dessous. Faudrait que je trouve une solution pour l'enlever, genre une pioche à spawner ou quelque chose. Faudrait que je trouve une pioche à spawner pas chère dans la hache. Une qui est pas utilisée, ça serait intéressant. Non, sont jamais moins chères, puis sont tout le temps utilisées. C'est où tu peux les avoir les meilleurs? Tu le chopes? Une pioche à spawner? Ouais, c'est où ce qu'ils achètent, au spawn? Tu fais ça comme ça. Oh oh! Tu fais ça comme ça. Écris ça dans le chat. Ça coûte combien? 12 000. Pour un spawner. Let's go, on va le prendre. Qu'est-ce qu'il y a, Jay? Il y a deux hackers dans Warzone qui fly comme ça. Tabarnak! Y'a-tu un staff de connecté pour les bans? Ouais, Jakku, mais il est sur Rocket League, fait que je pense pas. Ok, attends. Il m'a me pointé, moi, toutes les bans, tu verras même pas assez. Ok, super. La pioche, on a plus besoin. Ça, il devrait quand même la supprimer, la pioche, là, quand qu'il y a un coup que t'as reçu, comme ça, ça ferait pas des arnaques dans le AH, pis tout. Ouais, c'est ça. Ça fait chier quand t'en achètes une, genre, quand tu commences, pis t'as juste 12 000 piastres, pis là que t'arrives, pis genre... Tu peux même pas miner avec, quand ça fait chier. Je le mets où, le style villageois, c'est collé à moucher dessus? Oh, attends! Ben... Si je le mets proche des carottes, il va récupérer mes carottes, non? Je sais pas. Ouais, je pense que ouais, y a des bugs. Ben, je sais pas si c'est un bug, mais y a des systèmes comme ça.
Stage back. J'arrive. Ok les gars, il y a Wuspata. Wuspata qui veut nous donner un petit don. Prêt? Oui. Par exemple, je suis pas full. Je suis un peu full. Qu'est-ce qu'il va nous donner, vous êtes prêts? Vous pensez? Il a pas l'air trop riche. Regardez, casse vert. Truc genre orange. Rouge. Le plus gros. Oui! Putain, casse pas les couilles! Ok, c'est une blague, je rigole. Genre, on peut faire slash trade. J'ai pas la perme sur mon grade. Ouf. Ok, beau gosse. C'est quoi ça? Bananas! Ok. Non, petit. Ok. Moyen. Spawner squeletton, super. On va pas les rajouter. Ensuite! Faut les arco PK3 s'il te plaît. Je suis full, jeune homme. Je suis full. Je suis. Oh my god. What the fuck? Ça va nous en faire de la réparation à faire, les gars. Mais au moins, on aura plein de stuff Zarconia pour aller PVP dans les prochains épisodes. OMG. OMG, merci. Habitué avec le cœur, quand je prends mon autre pack de textures, ça fait des cœurs. OMG, guys! What the fuck? Stuff à Reaper, voilà. Ça, c'est presque neuf, mais c'est pas à nous, c'est à notre autre ami qu'on avait, qu'on était avec sur le call avant. Slash back. Ah non, attends, on va aller poser des spawners. On va faire les carottes enchantées. Et puis on va revendre ça comme je vous avais dit. Bon, j'ai essayé de faire un pillage comme je vous ai montré vite fait, mais ça n'a pas super bien marché. C'était plus compliqué que je le pensais, puis j'ai pas énormément le temps en ce moment. J'ai pas énormément de temps en ce moment pour essayer de piller quoi, vous comprenez. J'ai mon serveur, etc. Donc voyez-vous. On va mettre ça là, puis on va mettre ça là. Je me disais bien que j'allais faire une connerie aussi. J'étais presque 90% sûr. Tabarnak, qui fait chier. Donc, c'est pas grave, je vais faire les carottes en émeraude, je vous retrouve qu'on est rendu à les vendre. Ok, il y a plein de joueurs, j'ai dit. Ceux qui me donnent de l'argent, je vais investir pour en faire des mieux. Ils m'ont donné 11 000, fait qu'on va acheter d'autres émeraudes. Puis on va continuer à craft les trucs. Donc là, j'étais déjà en train d'en crafter une grosse partie. Les gens, ils réalisent pas que c'est vraiment la meilleure façon. Là, après que ça, quand ma vidéo va sortir, je pense qu'ils n'auront pas eu le temps de tout se vendre. Malheureusement. Mais si vous les voyez, achetez-les quand même. Je veux dire, pourquoi pas, tu sais. C'est moi le grand maître qui vous a montré la technique. Moi, c'est un abonné qui me l'a dit, tu sais. Franchement, les gars, c'est vraiment une des meilleures façons de se faire de l'argent. On va pas se le cacher, hein. T'as commencé quand le serveur il y a à peine un mois. Je dirais un mois et demi, hein. Les gars, ça fait un mois et demi qu'on a commencé ou pas. Je pense que ça fait à peine un mois. Ça fait même pas un mois qu'on est sur le serveur, exactement. Si vous voulez vraiment tout savoir. Tu as besoin de quoi, genre vraiment beaucoup? Rien, t'inquiète. À part carottes et émeraudes. Ok, il y a deux gars qui nous parlent avec le, qui commencent avec un W, j'étais genre. Je me demandais qu'est-ce qui se passait là. Plus beaucoup de C. What the fuck? Je comprends plus rien, gros! Je suis perdu dans ma tête, esti. Attendez, on va faire slash craft. Bon, je craft tout ça, puis je vous retrouve. Ok, yup, les gars. Donc, écoutez ça, ok. J'ai 69 stacks, ok. J'ai enlevé. Je les avais mis à 2500 au départ, mais j'ai remarqué que c'était peut-être un peu trop cher, ok. Donc, j'ai descendu à 2000. J'ai 69 stacks. On fait 69 stacks fois 2000. Ça nous fait 138 000. Au départ, j'avais 60 000. Donc, regarde. Je vais pouvoir vous prouver, 69, 10 les stacks, à 2000 chaque stack. On peut voir que j'en ai mis pas mal. Ça va nous faire 138 000 et on avait 60 000 à la base. Là, on aurait
140 000. Donc, vous voyez qu'il y a un énorme profit à se faire. Mais pas juste ça. C'est beaucoup plus que ça parce qu'on a aussi acheté un spawner à villageois qu'on a dans notre C. Je sais pas à quoi qui va nous servir, mais bon. Voilà. Mais on a aussi acheté ça. On a acheté aussi une pioche à spawner à 12 000 pour justement. Donc, on a quand même dépensé 20 000. Fait que je dirais qu'on. 30 000. Je dirais qu'on avait dépensé environ 30 000 pour avoir 100 000 de profit. 108 000 de profit. C'est quand même vachement bon, vous voyez ce que je veux dire? Certes, là, maintenant, la technique va moins marcher quand cette vidéo-là va sortir, parce que, bon, les gens vont tout le faire, fait que les gens, ils vont pas nécessairement continuer à acheter les carottes, mais en espérant que avant que ma vidéo sorte, ou même si ma vidéo sort, ben, achetez mes carottes si vous voulez me faire plaisir. Ça me ferait plaisir, parce que moi, j'ai un peu d'argent pour faire des paris, etc. Donc, voilà, il y a déjà quelqu'un qui en a acheté, parce que j'en avais 70 tantôt, fait que... Fait que voilà. Donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, les gars. En espérant qu'elle vous ait fait plaisir. Prochaine vidéo, ben, je vais réparer mes stuff que le gars nous a donné en don aujourd'hui. Puis on va sûrement faire un petit PVP en espérant que ça vous fasse plaisir. Je vous dis, TP3 un coup. Ah oui, j'ai aussi donné la base en Opsi. Tu sais qu'on m'avait fait un don d'une base en Opsi. On avait miné pas mal d'obsidienne, mais on va pas faire une base en Opsi. Fait que je l'ai donné à Wooltech. Il nous a TP, je sais pas c'était où. Ah, c'était pas ici. Qu'est-ce qu'il fait? The fuck? Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi là? F show wall streak. Ah ouais, il y a des gens qui ont claim. What the fuck? Ah oui, c'est moitié claim par une autre faction. What the fuck, bizarre. Donc ouais, en gros, home upsi. Quelqu'un, mes level, what? De quoi tu parles? Il y a quelqu'un d'autre qui claim, mais en gros, j'ai donné tout ça, regardez, j'ai... Oh non, j'ai encore, what the fuck? What? J'ai pas un claim all? Ça a pas marché, F un claim all. Ah, voilà. Je fais le TP, TP wolf icons. Ah, c'est vrai, ça marche pas. Message wolf, TP toi. Au pire, t'sais vu quoi? Au pire, je vais regarder la base, savez-vous quoi? Puis je vais la faire tirer à un abonné à vous. Fait que fclaim 5. Fmap. Ouais, donc c'est c'était peut-être un peu trop gros quand même. Fclaim 2. Fmap. Fclaim 3. Et on va unclaim. F unclaim all. On n'a pas d'appui ou rien, donc voilà. Et on va faire un petit fclaim 3. Là, ça va être bon, je pense. Là, on aura tout ce qu'il nous faut. Voilà. Parfait. Donc, voilà, les copains. Je vous dis à bientôt. Puis, comme je dis, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire, soit la miner, soit la donner à un de vous. Sur ce, je vous aime, les copains. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Icon. Peace.